PEGI 18. Hola, maître sorceleur. Votre sacré. Seriez-vous sorceleur, monsieur? Celui que la duchesse a fait venir? Celui-là même. Et vous, vous avez quelque chose à me demander. On ne peut rien vous cacher. Ces cavernes, on jurerait que les dieux les ont creusées pour le vin du ciel. Spacieuses, sèches... Et malheureusement, elles grouillent de monstres. De vin! Un envoyé de la Providence! C'est d'accord, alors? Je peux me rendre disponible si nous tombons d'accord sur mes gages. Très bien. Entendu comme ça. C'est dans mes cordes, moyennant la coquette somme que je vous vois m'attribuer. J'aurais bien besoin d'un somme. Alors, ce monstre ? Problème réglé. Le Shelmar qui hantait la caverne ne vous embêtera plus.
Formidable. J'y gagne un entrepôt, et vous, ma gratitude. Montrez-moi vos articles, voulez-vous? À plus tard. Un orage. Manquez plus que ça. Oh, tout doux, ma belle. Un nid de draconide, je devrais le détruire. Laissez-moi seul. Laissez-moi seul. Bonjour, maître. En fin de journée, je file au carillon comme une flèche. Ici, je vous prie. Les filles m'attendent avec impatience. C'est une vilaine plaie. À votre place, je soignerai ça vite. Ça risque de s'infecter. Si j'avais besoin de conseils médicaux, j'aurais fait appel à un guérisseur. Et vous n'avez même pas la tête d'un charlatan. Et si vous vouliez l'aide d'un sorceleur, vous auriez dû éviter de vous montrer grossier. Pardonnez-moi, je souffre tant que je suis d'une humeur exécrable. Une saleté s'est installée dans la grotte. J'ai bien failli y laisser la peau. Je voulais installer mon entrepôt là depuis un moment. Pourriez-vous aller voir à l'intérieur? Je peux y jeter un œil, à condition d'être payé. C'est honnête. Je vais voir ce que je peux faire. Vous, attendez ici, et nettoyez cette plaie. C'est un conseil. En fin de journée, je file au carillon comme une flèche. Les filles m'attendent avec impatience. Thank you.
Que s'est-il passé ? Je fais ce pour quoi on me paye. Alors, irez-vous voir ce qui cloche avec mon entrepôt ? Le problème est réglé. Je suis tombé sur des scolopendromorphes. Ah ? Bien. Mais comment vais-je les empêcher de revenir ? Ça, je n'en ai aucune idée. Je tue les monstres, je ne prédis pas l'avenir. Ne le prenez pas comme ça, sorceleur. Pour vous remercier, je vous ferai un bon prix sur la marchandise. Revenez dans 2 jours. J'aurais fait un bel entrepôt d'ici là. J'y vais. À plus tard. En fin de journée, je file au carillon comme une flèche. Ils m'attendent avec impatience.